C'est la preuve, regardez. Vas-y Benzema, montre-leur ce que c'est quoi un Algérien. Montre-leur. Oui. Yes. Voilà, voilà but de Benzema. Et voilà. Ah, je suis fier là. Je suis fier de Benzema. Un partout. Là, les Algériens, hein. Bon, bon, je suis pas Algérien, mais voilà. Bravo les Algériens. Ils sauvent la France. Benzema, deuxième but. Voilà. Bravo Benzema. Les gars, j'ai un ami à moi à Istanbul en Turquie qui a les meilleurs tarifs. Il a même une boutique où il vend. C'est comme un personal shopper. Il a les meilleurs prix pour tout ce qui est article de luxe. Regardez, les meilleurs prix. Regardez tout ce qu'il a. Il a tout, 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 tout. Donc dépêche-toi, envoie-lui un message soit sur WhatsApp avec plus 90 qui est le numéro en Turquie ou sinon sur Snap. Regarde, il a une boutique où il revend tout au meilleur prix. Une boutique officielle. Tout le monde est là. Voici son slogan. Tout le monde est là pour avoir les meilleurs prix. C'est le meilleur personal shopper. Il a même une boutique, vous l'avez bien vu. Donc swipe up, envoie-lui un message sur WhatsApp. Il est en Turquie ou sinon sur Snap. Fonce, swipe up. Tout le monde est là, tout le monde est là. Donc dépêchez-vous. Si vous êtes tous là pour avoir les meilleurs prix grâce au meilleur personal shopper à Istanbul, il vous envoie tout super rapidement en seulement quelques jours. T'as juste envoyé un message rapidement sur Snapchat ou sur WhatsApp. Allez, fonce, c'est un truc sûr. Dépêchez-vous, il attend votre message sur WhatsApp ou sur Snapchat. Dépêche-toi. Oui, c'est le 9e jour aux Maldives. J'ai ramené Alia-Marie parce que je voulais me marier avec elle. Mais j'ai essayé de faire plusieurs demandes et ça a foiré. Mais bon, aujourd'hui je vais prendre une petite pause et je vais faire du jet ski et profiter un petit peu des Maldives. Hier et avant-hier, j'ai fait deux tentatives de fiançailles et c'est tombé à l'eau. Franchement, clairement, ça me déprime. Je sais même pas si j'ai envie de continuer. Je suis venu faire les Maldives, j'ai dépensé je sais pas combien d'argent sur une première bague que j'ai perdue. J'en ai acheté une deuxième qui coûte rien. Mais bref, j'ai l'impression que c'est peut-être pas le destin. En tout cas, là, je vais faire du jet ski. Il y a Léa Marie qui arrive, on va faire du jet ski, on va rigoler. Je vais voir comment ça se passe. En tout cas, j'ai besoin de vos avis, j'ai besoin de force, j'ai besoin que vous m'aidiez énormément. J'ai hâte de faire du jet ski sur l'eau turquoise. Par contre, il y a un seul problème. Apparemment, il y a des requins. J'ai trop peur. Qu'est-ce que je fais? Pour le jet ski, il est en train de me dire qu'il y a des requins. Des sharks? Yeah, yeah, there's sharks. Lots of big sharks. Oh non, they're gonna eat you, okay? Oh non. Quoi? T'as dit que peut-être qu'il va me manger. Il y a des requins. Non, mais c'est moi qui conduis, hein. Je te laisse pas conduire, je te le dis direct. Voilà, c'est super dangereux ce qu'on est en train de faire. Regardez mon jet ski. Waouh, il est canon. Allez, c'est parti. Il y a des requins, mais on n'a pas le choix. En tant qu'homme qui est connu pour son courage, je décide de quand même faire du jet ski. Et s'il y a un requin, eh ben je vais le hagler le requin, c'est pas grave. En tout cas, ça va pas m'empêcher de kiffer mon jet ski. En tout cas, ces jet skis vont jusqu'à 90 km/h. Ça va super vite, c'est trop bien à Radisson Blu. C'est l'un des meilleurs hôtels en la Maldive. Franchement, je kiffe. Regardez comment c'est magnifique. Je suis à pleine balle, enfin presque. Je kiffe. Les gars, on s'est arrêté, on est en plein milieu de l'océan. Ici, il y a la masse de requins. Regardez. Oh, t'as peur ou quoi? J'ai trop peur, en plus tu vas trop vite. J'ai pas flippe. Confiance en toi. Allez, j'ai mon pied là. Ouais, arrête, c'est pas stable. S'il te plaît, t'en supplie. Ouais, j'ai pas confiance en toi, t'es un clown, arrête. Bah, les gars, pose le téléphone et conduis à demain. C'est pas comme toi, en fait. Ah, les requins, c'est rien. J'ai pas envie de me faire manger par le requin à 23 ans là. Les gars, Sabine est complètement malade, il est en train de me dire qu'il a envie d'aller sauter dans l'eau et nager avec les requins. Arrête, arrête, il est pas stable le jet ski. S'il te plaît, arrête. Seb, je t'en supplie. Arrête. Tu fais le malin? Tu fais le malin? Tu fais le malin? Vas-y, vas-y, saute. Vas-y, filme. Vas-y, saute. Bah, vas-y. Tu fais le malin? T'es sûr? Oh là là, je te jure que si tu me fais tomber, je te défonce. Arrête, arrête, arrête! Je vais te niquer! Seb! Voilà, voilà. T'es complètement malade en fait, y'a des requins, remontes. Tout de suite! Tu me fais pas chavirer! Je sors mon téléphone de l'eau, Léa Marie me fait un coup de bâtard. Léa Marie se barre devant moi. Elle me laisse tout seul avec des requins. C'est dangereux. Vas-y, s'il te plaît, reviens. Vas-y, s'il te plaît, reviens. S'il te plaît. S'il te plaît. Fais-moi le malin. Ouais. Allez, viens. Arrête de faire le con. J'arrive pas à avancer. Je te dis de pas sauter, tu ne sautes pas. Va derrière, on va chavirer maintenant. Allez, va derrière. Dépêche-toi. Les gars, c'est bon pour faire du jet ski, elle m'a laissé toute seule dans la mer. T'as pas honte? Bah, fallait arrêter de faire le malin. Mais écoute, c'est dangereux. Mais okay, ça t'apprendra.
C'est dangereux. Tu fais le malin, je saute ma dans santé, l'eau. Ma santé en jeu. Non mais Seb. Hein, je t'en fous. Seb, tu fais le malin, ouais, je saute dans l'eau, je vais avec les requins, je vais nager. Et alors, bah, voilà, je te laisse tout seul. Tu voulais nager avec les requins, tu l'as fait, non? T'es content? C'est franchement pas drôle. En tout cas, heureusement les gars, heureusement que j'ai pas perdu mes bijoux de chez Jewelry Bling. Regardez la qualité que c'est. Les bijoux de chez Jewelry Bling, c'est une marque 100% française. C'est des bijoux 100% français et c'est de la qualité. Regardez s'il vous plaît la qualité de ces bijoux. En plus, c'est de la qualité et c'est pas cher car il y a moins 60% en ce moment pour l'été. Regardez ces bracelets, c'est pas incroyable. Donc tu as juste à swipe et aller voir. C'est pour les garçons et les filles. En plus, il y a une carte de garantie et d'authenticité. C'est génial. Allez, c'est une vraie marque, vous inquiétez pas. Swipe up et fonce, Jewelry Bling X, c'est les numéro 1 pour tout ce qui est bijoux. Regardez, tous les rappeurs portent ça. Les plus grands rappeurs français portent ça. Et regardez, il y a de tout, des bagues, des bracelets. Il y a une maxi promotion, donc dépêche-toi et swipe up. C'est 100% authentique. Fais-moi confiance, swipe up et achète. Maxi promo, c'est pour maintenant. Fais-toi mon gosse pour cet été. Allez, fonce, swipe up et dépêche-toi. Regarde tous les bijoux qu'il y a. C'est incroyable. Fonce, dépêche-toi. Regarde, regarde la qualité s'il te plaît. Regarde la qualité de ces bijoux. T'es encore en train d'hésiter. Regardez comment ça fait super classe. Donc tu te dépêches et tu swipes. Il y a aussi des bijoux personnalisés sur le site. Donc swipe up et fonce, check it out, ok. On rentre rapidement à la villa parce que j'ai un test PCR et ça me fait peur. Bon les gars, on vient d'arriver dans notre chambre. Donc là on est posé, sauf qu'on a un petit problème. Là ils vont faire les tests PCR. Sauf que les tests PCR ici, ils le mettent tout au fond dans le nez. Alors qu'aux États-Unis, ils te l'effleurent juste la narine à l'intérieur comme ça, mais ils te le mettent pas jusqu'au fond. Et comme moi j'ai refait mon nez, et bah je ne peux pas en fait avoir le classique où ça va tout au fond de ma gorge. Donc du coup je ne peux pas partir des Maldives. Je suis coincé, je vais falloir que je négocie avec le docteur. En tout cas c'est vraiment horrible. Je me suis vacciné, c'est pas juste en fait. Je me suis vacciné et là ils vont me faire un test PCR classique où ils vont mettre le truc tout au fond du nez. Mais j'ai refait mon nez, c'est pas possible. Il faut faire celui-là de toute dernière génération où on effleure les narines. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh là, ça sonne. C'est bon, c'est le docteur. Bon les gars, laisse tomber. Moi je peux pas faire le test PCR, donc je sais pas comment faire. Moi si je dois aller en prison, je vais en prison. Alors. Hi, good afternoon. I'll be taking your PCR. Yes, but problem PCR. Problem because me rhinoplasty. When was it? 2 weeks ago. 1 week and a half. Do you have the prescription, the letter? No. No, but we have pictures. We did it together in Miami. Si je fais pas le test PCR, je ne peux pas quitter les Maldives. Je serai coincé. Vas-y, montre-lui comme quoi on a refait notre nez. Elle ne croit pas. You mean the name of the clinic? Elle ne croit pas. La vietnamienne, elle ne croit pas. Elle ne croit pas. Parce que moi, mon nez, c'est du marshmallow. Hein. Oh. Quand tu viens de refaire ton nez, c'est du marshmallow. Maybe you cannot fly out. Yes, we fly out. Do you want to go to prison? We will have to take the throat swab. Throat? Gorge? If you cannot do the nose swab, you will have to do the throat swab. Oh non. Mais... On doit faire la gorge? Oui, c'est mort, je fais pas la gorge moi. Les gars, je vais faire la gorge. Ok. Is it gonna hurt? Ok. Go, go, go! Go. No, you go. Go quick. I still have other patients. I know, patient. We're going to prison. I don't care. Okay. Nothing to lose. Come out. Ah, no, I can't.